Bonjour les amis, voilà pour vous 4 journaux week-end, la Gazette, Gini Course et Pariture pour le quinté de mardi 15 octobre à Chantilly. Forever given sur le sable. Forever given sur le sable. Pour ces deux premières tentatives sur le sable, Forever Given a fourni d'excellentes valeurs. Elle retrouve sa surface de prédilection dans les meilleures conditions. Mardi 15 octobre 2024 à Chantilly, réunion 1, deuxième course près du chêne du coup de foudre. La distance 1900 mètres, 55 000 euros, 3 ans. Handicap divisé. Poulain entier, hangre et pouliche de 3 ans, piste en sable fibré. La course du jour, leur dernière course, 16 partants. Moutard, Crassus, Picon, Bémari, Demero, Barzalona, R. Thomas, Guillon, Grandin, Mademoiselle Violon, Soumillon, Alex Madamet, Mondizabal, Pouchin, C'est le Coeuvre, Madame, ou bien Mademoiselle Sepaco. Les jumelles du quintet, Casar, le 15 ne s'arrête plus. Voilà les repérés. Le 15 repéré le 29 août à Paris-Longchamp. Le 7 repéré le 4 septembre à Lyon-Paris-Lille. Le 6 repéré le 21 septembre à Chantilly. Le 8 repéré le 21 septembre à Chantilly. La découverte after Midnight le 10 doit trouver sa voie. Ayant débuté au mois de mai, After Midnight a vite ouvert son palmarès. Ses débuts dans les Andecas ne sont pas passés inaperçus. Le conseil de week-end 6, 10, 15. Le plus du quintet est super. T5. Les années d'expérience 2023. Voilà l'arrivée de 2023. Trois tocards. Trois outsiders, mes amis. Le cheval robot, sexe femelle, 5 points, encore 3 points. Âge, épreuve réservée aux 3 ans. À savoir les points d'appui, stats favorables. On a un clin d'œil du pour du contre. Bon favori, favori d'auteur, en baisse, en hausse, stable, petite chance, meilleur couple, jockey à suivre. Guillaume Velon et Mondizabal, entraîneur à suivre, Pontal. Henry Alex Pontal. La forme saisonnière 4, 5, 8. Porte les œillères le 7, le 8, le 11 et le 16. Les astres par le nom 16, 15, 6, par les chiffres 11, 12, 10, par l'écurie 1, 5, 2. Pourcentage d'adversaires battus, le 10 en tête. La conclusion 19, 16, 14, 11, 7, 12, 8. Les places à la corde. La corde. Participation, victoire, place, pourcentage réussite, numéro de chevaux. L'autopsie de Mazo. Les écarts des jockeys et des entraîneurs. Classement de l'autopsie. Le 9, 70 points total. 70 points. 9, 14, 10, 12, 8, 13. 11, 1, 3, 4. L'étude de Matheux. Classement poids pondéré, classement performance, classement des numéros. Prono des Matheux. Tiercé, quarte, quinté. La forme des entraîneurs, des jockeys, la bourse des valeurs. Avant première presse galop, voilà les pronostics des médias et écart. Le flambeur, ticket de base 9, 7, 6, 14, 11, 16. Votre gain, première chance, aucun. Seconde chance, 19, 6, 14. Outsider abandonné, 1, 4. Moins de poids, plus de poids. Moins de poids, 1, 3, 2, 12. On va voir la variation de poids. Dans Paris Turf, bien détaillé, plus de poids aucun.
L'étude scientifique, le classement théorique, le pronostic scientifique, le banc d'essai, valeur, forme, réussite, aptitude. Les concurrents parlent des chiffres. L'étude, notre ordinateur, classement des meilleurs pourcentages de réussite. Synthèse des concurrents parlent des chiffres. 6, 9, 12, 10, 14, 8, As. Détail des chevaux. Alfred, avoir le 1. Le 2. La rangère change de surface. Le 3 s'adapte en forme ascendante. Le 4 sérine prise trop haut. The first dance, bien sur la piste en sable fibré. Dazlin jouait le 6, des arguments, d'après son entraîneur Henry Alex Pontal. Doué, cet entraîneur, meilleur entraîneur. Le 7, Forever Given, mieux sur la piste en sable fibré avec 56 kilos. Cliff of Mar, de belles ambitions, le 8, d'après l'avis de son entraîneur. Le 9, Nobleman, a le potentiel pour gagner. Réussite dans les quintés, 100% de participation de place. After Midnight ne doit pas être négligé. Première participation dans les quintés. Le 11, Massimo Meridio, premier handicap. Première participation, lui aussi. Le 12, Day Trader, un peu plus en forme. 50% réussite dans les quintés, 4 participations, 2 places. Gauvez contre Gauvez, ils vont mettre tout le monde d'accord. Voilà le programme du quintet du week-end. Le 1, Gémotal. Le 2, Acrasus. Le 3, Tepicon. Le 4, Benjamin Marie. Le 5, Sedimero. Le 6, M. Barzalona. Le 7, porte les œillères australien Ronald Thomas. Le 8, porte les œillères australien M. Guillon. Le 9, M. Grandin. Le 10, Mademoiselle M. Velon. Le 11, porte les œillères australien Christophe Soumillon. Le 12, Alex Madamet. Le 13, Mondizabal. Le 14, Apouchin. Le 15, c'est le Coeuvre. Le 16, Mademoiselle Sepako porte les œillères australien. La sélection de Steve Aubry, 15, 8, 12, 11, 10, 14, 6, 9. Les pronos de la rédaction. Eric Brosdin, Paul Brousse, Mathieu Combarnou, Guillaume Gauvez, Marcel Roland, José Gauvez, Ludovic Cognot. Classement 17 de week-end, de premier le 9, le deuxième le 6, le troisième le 14, etc. Le prono unique, Nobleman, le 9 base, le 7 tuyau, le 6 base, le 14 coup de poker, 18 en 16 en cas de non partant. Le 15, le regret, le 3, les meilleurs outsiders, 12, 5, 13, pour toucher le gros lot, 2, As, 4, abandonner aucun, les chaleurs d'entraînement, forever given, le 7, le tuyau. Le prono des pistes, 7, 3, 6, 8, 9, 13, multi 5, les bases, 9, 7, on leur associe, 6, 14, 18, 11, 16, 14, 15, 3, 12. Les bases 9, 7 ont leur associé le 6, le 14, le 10, le 8, le 11, le 16, le 15, le 3 et le 12. Retour en image de la course de référence. Cliff of Mar va finir vite. Voilà l'opinion du week-end et les cotes, mes amis. Le 1,36 reste sur deux échecs dans les handicaps et semble encore pris haut. Le 2,22 contre un grande forme en début d'été. Le 3, 16 contre 1, le 4, 40, le 5, 17, le 6, 6, le 7, 11, le 8, 15, le 9, 5, le 10, 8. L'attraction de la course se présente avec
une flatteuse réputation. Le 11, 11 contre 1, le 12, 14 contre 1 commence à bien le connaître à ce niveau. Il n'a pas une marge énorme. Le 13, 13 contre 1, on en attendait mieux en dernier lieu, performant auparavant. Le 14, 8 contre 1. Le 15, 16 contre 1 progresse. Le 15, 16 contre 1 progresse. Le 16, 12 contre 1 régulier. Il débute dans les handicaps. Un petit point intéressant. Alors, mes filles, vous. Le 13, King of Star. King of Star. Dernière prestation à oublier. Le 14, Tilila. Tilila. Attention, deux sérieux atouts. Tilila. Le 15 devrait bien se comporter. Le 16, Gato Pardo. A du métier d'après l'avis de son reporter. On continue avec le journal Généticourse. Notre consultant l'a repéré dernièrement. Cliff Hofmar, la bonne note. Stéphane Pasquier a bien aimé la fin de la course. Elle était déjà Stéphane Pasquier. Dernièrement, à l'écart. Il est à l'écart. Quinté plus, Chantilly, mardi 15 octobre, près du chêne du Coup de Foudre. Difficulté de la course 2 étoiles. Piste en sable fibré, la corde à droite, ligne d'arrivée 550 mètres. Le parcours bien placé. Les 3 ans, 55 000, 1900 mètres. La course référence, Nobleman échoue de peu. La thyrophoscopie des partants, les jockeys s'expliquent, Crassus sur le 2. Barzalona sur le 6, Pouchin sur le 14, le ticket type 9, 6, 16, 2, 10, le favori au bon décès, la tactique express, info express, ça marche, engagement, bizarrerie, du jamais vu, 0% de réussite à Chantilly pour Cazares. Cazares, je pense, le 15. Poids en question, abaissé au poids le 1, moins 1,5 kg, le 3, le 2, le 12, moins 0,5 chacun. Le passé de la course 2023 a été chaude. Méfiez-vous, mes amis, la course des 3 ans, souvent difficile. Forme et écart en plat des numéros des jockeys entraîneurs. Voilà le 1, le 2, le 3, le 4. Avoir chance surface en forme ascendante, prise trop haut, c'est pareil, aucune différence avec le journal précédent. La sélection de Stéphane Etey, Nobleman en tête, auteur d'une probante tentative dernièrement à ce niveau. Nobleman confirmé alors sa forme et sa compétitivité en valeur 36. Je lui oppose Dazlin Jewel qui a conclu dans son sillage After Midnight. Est à suivre d'emblée à ce niveau, bien que peu expérimenté. Mon pronostic 9, 6, 10, 14, 8, 7, 11, 16. Le 5, le 6, le 7 et le 8. Bien sur la piste en sable fibré, des arguments mieux sur la piste en sable fibré, de belles ambitions. Voilà. Le plus des experts, le panier de génie Nobleman est compétitif. Voilà le programme de génie course. Base 9, 6, 3, 14. Première chance 12, 10, 8, 7. Seconde chance 2, 5, 11, 16, 15, 13. Gros outsider 1, 4. Alfred et Cyrine. La dernière minute, le 6. Dazlin Jewel, Kazakh classique. Le coup de folie, le 12. Day Trader. Bien connu à ce niveau de compétition avec déjà 4 apparitions. Le classement logique, Dazlin Jewel, la métronome, le 6, forme écart plat des numéros des entraîneurs des jockeys. L'opinion de Barbara Essien, Madame Schiffer, Tilila, enfin, lauréate. Le pronostic Paris course after midnight à suivre d'emblée. Tilila, le 14. Voilà, on continue. Le ticket du patron. Dazlin Jewel en tête. Les statistiques sur les pistes.
Les performances, le coin de métier, flambeur, audacieux, prudent, sécurité, 6, 10, 14, 9. On ajoute le 8, le 11 et le 12 pour le coin de sécurité. La conclusion de l'ensemble de la rédaction, base 6, 10, 14, 8 ou 9, 8, 11, outsider, 12, 16. En cas de non partant, le 7, l'avis de Stéphane Pasquier, Cliff of Moher, la bonne note. Le 8. Voilà les cotes et l'opinion des entraîneurs de Gini Course. Voilà le 1,30. Il devra montrer un atout autre visage que lors de ses deux derniers handicaps. 9e, 10e. Le 2, 25 contre 1. Laurier de deux courses en mai. Le 3, 28 contre 1 après avoir gagné une classe 3 dans le lourd du 5 long avril. Le 4, 35. Le 5, 16. Le 6, 7. Le 7, 13. Le 8, 10. Le 9, 5. Le 10, 8. Le 11, 12. Le 12, 15. Le 13, 22. Le 14, 9. Le 15, 18. Le 16, 14. Voilà, on continue avec détail des chevaux. Le 9, Nobleman, s'est escoudé, a le potentiel pour gagner. Ne doit pas être négligé. Premier handicap, un peu plus en forme, un peu plus en forme. Dernière prestation à oublier. Le 14 de sérieux atout, le 15 devrait bien se comporter, le 16 a du métier. Que dit la presse? Le championnat de France des pronostiqueurs, les 13 médias, voilà leur pronostic. Synthèse de la presse la plus suivie en France, favori 14, 10, 9, 6, outsider 8, 7, 11. 16, 12, 2, 5, 15, 13, 3, abandonner le 1 et le 4. Les meilleurs pronostiqueurs au plat quinté plus du jour. Les 8 derniers résultats des favoris de la presse. Le premier, le 14, Silila. Le deuxième, le 10, After Midnight. Le 9, Nobleman. Le 6, quatrième, etc. Les 5 derniers quintés dans la spécialité. On continue, mes amis, avec la Gazette des courses quintées à Chantilly, près du chêne du coup de foudre, 16 partants départ prévu vers 13h55 en France, 12h55 au Maroc. Dazlin jouait le 6 à la pointure. 3 chevaux à jouer mardi en 2 sur 4 en couplet, base le 6, outsider le 8, trouble fait le 3. L'analyse des pronos par Jessica Carter. 3 chevaux et les autres. La conclusion de Prono d'or, les favoris de la presse. 9, 10, 6. 6 chevaux, 6 chevaux mettront 10 piments. Personne n'en veut et pourtant 3, 13. Le coup sur le 9. La forme saisonnière. 4, 5, 8, 13. Écart jockey. L'outsider le 12. Notre coup de cœur le 3. Le classement de la presse. Écart des entraîneurs, Stat Gazette 14, 10, 16, 9. Le grand écart, la rangère, le 2. Elle aura du mal à renverser la vapeur, le 2. La leçon du passé 2023. L'analyse des partants d'un clin d'œil. L'analyse de performe, parcours, confiance, combativité, la logique le 6, l'introuvable le 3, l'outsider le 12. Le résultat de l'analyse 6, 8, 9, 3, 10, 12, 11, 14. Repéré sur les pistes le 7 et le 8. En direct des pistes des entraîneurs les plus confiants 8, 9, 7, 14, 3, 6, 13, 2. Le champ réduit, nous avons sélectionné le 6 comme base, en couplet, en quintet, nous avons sélectionné le 6, le 10, le 9, le 8, José Gauvez et ses pronostics.
John Villa. Et Frédéric Schramm, voilà leur pronostic. La conclusion de favori, notre coup de cœur Nobleman le 9 est compétitif, le favori de favori Day Trader le 12 sur son parcours. Stop Info gagnante, After Midnight le 10. Le classement favori, Bonne Chance Outsider délaissé. L'avis de José Gouvès sur les chevaux délaissés. Le 1, notre éliminé le 1, la forme des chevaux. Les graphiques en vert représentent les chevaux en forme 6, 9, 10, 11. La synthèse de la gazette. Dazzling Jewel en tête le 6. Base meilleure à suivre, un bon tuyau. Dernière heure le 10. On continue avec le journal Paris Turf. Voilà notre quintet, deuxième course. Voilà la première course. Le quintet, deuxième course. 16 partants, notre choix 14, 8, 6, 9, 7, 15, 12, 10, chance 5, 6, 2, 11, 3, 13, As 4. La troisième course, la quatrième course. La cinquième course. La sixième, pour ceux qui jouent course par course, voilà les lignes, mes amis. La septième et la huitième. La septième. On continue avec la huitième. Arrêtez la vidéo et faire vos études. Voilà la neuvième. La huitième. La huitième. La neuvième. Sont au départ les entraîneurs. Changement d'entraîneur pour la troisième course, la cinquième, la sixième, la neuvième. Chevaux non partant pour la deuxième course. Massimo Meridio. Lors de leur dernière sortie. Les chevaux et les astres. Chiffre 6, 9, 10. Réussite et écart des numéros. Numéro en forme le 1, numéro à l'écart le 7. Statistique tandem, jockey et entraîneur, plat, Chantilly, France. On continue, mes amis. Voilà. Notre deuxième course, notre quintet. Alors voilà les pronostics des médias, les deux numéros, bien les deux chiffres. Voilà. Les deux chevaux. Weekend 9-10, Nobleman After Midnight. Paris Turf 14-8. Gynécom 19, etc. Chevaux les plus donnés en premier, le 7, le 9, le 10, le 14, 3 fois, le 11, 2 fois. Pour battre notre favori, le 8. Cliff of Moher. Voilà ceux qui jouent course par course, mes amis. Voilà. Meilleure chance. Voilà, indice de forme 10, 7, 10, 11, 9, 6, 12, 14, 5, As, 2, 11, 1. Indice. Je ne sais pas comment ce truc-là pour cette partie du journal. Voilà. Deuxième course, classement théorique. On va essayer de la lire. Cette page mal imprimée. Le deuxième course, 14-9. Cliff, 14-9. Alors, merde. Of Mahruit, oui.
Ouf, Mahal. Ce truc-là, non, quand même. Hors du commun. Voilà le programme du candidat. La page mal imprimée, mes amis. Dommage. Dommage, deuxième course, départ à 13h55 en France, midi 55 au Maroc. Voilà les côtes Paris-Turf. Le 8, meilleure impression. Le 11, meilleure impression. Et en rouge. Notre pronostic par Florent Bias, nous préférons 14, 8, 6, 9, 7, 15, 12, 10. Chance régulière 5, 16, 2, 11, 3, 13, 1, 4. Voilà, détail des chevaux. Meilleure performance sur la carrière. Le plus. Dernier classement. Leur quintet précédent, la rangère, Dazzling Jewel, Clips Omar, Nobleman. King of Star. Repérez pour vous, repérez dans les jumelles le 8, la spécialiste le 14, la découverte le 15, confidentiel de piste dans le creux de l'oreille, l'outsider séduisant le 7, ma sélection 9, 7, 8, 14, 13, 12, 6, 11, le best of plat, la course référence, l'entraîneur hippodrome. Valeur handicap du jour, plus ou moins 1 kg. After midnight, en valeur 36, 100%. Le classement par les points, réussite à la corde, coefficient de réussite, indice de forme, expérience sur la piste en sable fibré. Chevaux baissés au poids. Premier handicap pour le 4, le 5, le 7, le 11. Aptitude au terrain, statistiques des entraîneurs, des jockeys, les dernières arrivées dans la spécialité. Championnat de France des pronostiqueurs de galop. Le passé de la course, nombre de fois cité, les plus cités. Les plus cités, abandonner le 4, les favoris des médias. Bonne chance, mes amis, à la prochaine. Voilà le passé de la course. À la prochaine vidéo avec d'autres journaux. Bonne chance, merci.